robuste. Et pour cela, il faut pousser son moteur au maximum sans trop se soucier de ses concurrents. Et voilà justement ce qui peut arriver. 160 km/h, la voiture de Sean King est partie en tonneau et a terminé sa course contre la rambarde de sécurité. C'est à ce moment-là que j'ai vu le mur en béton. Je l'ai percuté de plein fouet et mon casque a éclaté.